Tous sont morts et leur casque
Les troupes qui ont participé au camp de Vossieux sont arrivées à pied, ou à cheval. Quand les régiments sont arrivés, la logistique n'était pas encore en place, car les chars noirs qui avaient été réquisitionnés pour transporter... Les militaires vont maintenant rejoindre leur camp et je vous invite à les suivre pour pouvoir échanger avec eux quelques connaissances. Peut-être pourrez-vous leur poser des questions sur leur support. Et à partir de 15h30,
pourrez participer ou regarder, selon votre plaisir, l'école. Parti la gauche. Du camp de Vossieux, vous pouvez assister en ce moment à l'entraînement des troupes. Je rappelle bien qu'il s'agit d'un entraînement. Il ne s'agit pas de tirer à balles réelles, nous ne sommes pas à la guerre. Mais il faut bien sûr préparer nos troupes à la guerre. Et pour ceci, un certain nombre de manœuvres sont nécessaires. En 1778, participer à la guerre d'indépendance. Et en même temps, vous pouvez suivre nos amis de la Montgolfière qui, pour votre plaisir, tentent de la gonfler. En fait, le problème n'est pas la Montgolfière. Le problème, c'est bien le vent. Et ce vent est un peu fort, donc nous espérons qu'il puisse réussir. Vous voyez toujours l'importance du tambour, hein, que ce soit pour les tirs, ou pour la manœuvre, ou pour la marche. Le tambour est toujours un effet essentiel dans la transmission des ordres. Les armes un peu de l'époque, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Parce que vous avez en fait un silex qui vient frapper sur une platine et qui déclenche à ce moment-là des étincelles. Ça veut dire que si votre silex est mal fixé, eh bien l'étincelle ne se fera pas. Le silex peut casser aussi. Et puis vous avez toujours le fait que la poudre peut être un peu humide. Donc chaque soldat a sur lui